Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire. Moi, j'adore, la maîtresse déteste. D'Elisabeth Brami et Lionel Le Néouanique. Moi, j'adore et la maîtresse déteste. Alors, qui le sait? Oui, Théo? Qu'on fasse croire qu'on a envie de faire pipi pour aller se promener. Qu'on bavarde avec son voisin. Qu'on mange dans la classe en cachette. Qu'on saute dans une flaque d'eau de la cour et qu'on l'éclabousse. Qu'on fasse croire qu'on est malade pour aller à l'infirmerie. Qu'on s'amuse au lieu de travailler. Qu'on dise qu'on a perdu son cartable pour ne pas travailler. Qu'on copie sur son voisin. Qu'on fasse faire son travail par ses parents. Qu'on n'écoute pas et qu'on lui pose une question à laquelle elle vient de répondre. Au-dessus des océans, l'air chaud et humide monte dans le ciel et se refroidit. La vapeur d'eau se condense en minuscules gouttelettes et forme des nuages. Ces gouttelettes grossissent et finissent par tomber en pluie. Mais maîtresse, pourquoi il pleut ? Qu'on travaille comme un cochon, qu'on fasse des ratures, qu'on barbouille de blanc ou qu'on fasse baver la colle. Qu'on se lève sans sa permission. Qu'on gribouille sur la table, sur les livres ou sur le cahier du voisin. Qu'on oublie de faire signer son cahier. Qu'on renifle pendant la lecture ou la dictée au lieu de se moucher. Qu'on rapporte. Maîtresse, il a dit un gros mot. Qu'on dise des gros mots ou qu'on parle n'importe comment. Qu'on raconte des bobards pour ne pas se faire gronder. Qu'on perde les photocopies qu'elle a distribuées. Qu'on traîne pour finir un exercice. Que maman ou papa prennent rendez-vous pour la voir et se plaindre. Qu'on soit en retard. Qu'on se fasse toutes les semaines dispenser de piscine ou de gym. Qu'on oublie de rapporter le livre de la bibliothèque. Qu'on ne dise pas bonjour le matin ou au revoir en fin de journée. Qu'on fasse l'imbécile derrière son dos quand elle écrit au tableau. Qu'on chipe ses craies pour dessiner des marelles dans la cour. Qu'on ne rebouche pas ses feutres. Qu'on se fasse des tatouages au stylo au lieu de travailler. Qu'on fasse passer des petits mots aux copains et aux copines. Qu'on court, qu'on crie dans les couloirs et qu'on se suspende au porte-manteau. Qu'on gigote pendant la photo de classe. Qu'on dise « c'est pas moi, c'est pas ma faute, je ponds, j'ai pas fait exprès ». Qu'on soit absent parce que nos parents ont décidé de partir en week-end ou de faire le pont. Qu'on se chamaille pour avoir la meilleure place. C'est moi. Qu'on joue avec la nourriture à la cantine et qu'elle reçoive une boulette. Oups. Qu'on parle sans avoir levé le doigt. Qu'on fasse du bruit et qu'on continue de parler quand elle réclame le silence. Chut. Qu'on n'apprenne ni ses leçons ni ses récitations. Qu'on mâche un chewing-gum en classe, ou pire, qu'elle s'aperçoive qu'on a fait semblant de le cracher. Qu'on se bagarre dans la cour, c'était pour rigoler. Qu'on remonte sale et plein de boue quand on doit s'asseoir sur le tapis. Bah quoi ? Qu'on rêvasse en regardant par la fenêtre. Qu'on profite d'un moment où elle doit sortir de la classe pour faire du chahut. Les billes qui tombent pendant un contrôle, qu'on se bouscule et qu'on pousse les autres dans les escaliers, qu'on dessine sur le tableau quand elle n'est pas là. Mon histoire est terminée. Merci la fée Gaëlle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la fée Gaëlle. Namasté.